Salut la team Bitan Academy, je vais vous parler du système de points dans le Jiu-Jitsu brésilien. Je vais commencer par faire une première vidéo où je vais vous parler de l'origine du système de points pour que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel il s'est construit. Et une deuxième vidéo dans laquelle je vous parlerai plus en détail du système de points et d'un certain nombre de petits points de détail sur lesquels on se trompe souvent quand on débute. Alors, l'histoire du Jiu-Jitsu brésilien remonte à l'arrivée de Japonais au Brésil qui ont importé les concepts de Jiu-Jitsu et de Judo. Et l'un d'entre eux qui est emblématique, c'est Maeda qui a joué un rôle particulier. Et Maeda a organisé le premier tournoi de Jiu-Jitsu au Brésil. Ce n'était pas encore du Jiu-Jitsu brésilien. Et ça a eu lieu il y a plus d'un siècle, en 1915. Alors il y a quelque chose de très intéressant dans cette première compétition. C'est le système de règles que Maeda a proposé. Il a proposé 10 règles, et l'une d'entre elles, c'est la règle sur l'issue du combat. La règle sur l'issue du combat dit qu'on ne peut pas gagner le match en projetant son adversaire sur le dos avec les deux épaules au sol. Pourquoi est-ce qu'il précise ça? Parce qu'à l'époque, au Japon, le judo se développait sous l'influence de Kano, il était lui-même un élève de Kano, et cette règle du ippon par projection était utilisée pour déterminer l'issue du combat. Il était manifestement en désaccord avec cette évolution du sport et a voulu proposer une règle beaucoup plus simple, un peu plus ancestrale, qui est qu'on ne gagne le combat que par soumission. Donc il faut que l'un des deux combattants signifie son abandon en frappant 3 fois au sol ou sur son adversaire. À ce moment-là, l'arbitre le déclare vainqueur. Une règle très simple, très nette, mais qui pose aussi quelques difficultés logistiques, puisque la durée du match, du coup, peut être indéterminée, et pour pallier à ce problème, il propose des matchs qui contiennent 25 minutes de combat, 5 rounds de 5 minutes, donc c'est énorme, et si à l'issue des 25 minutes, il n'y a pas de combattant qui a abandonné, on se retrouve un autre jour pour continuer le combat. Et en fait, ce tournoi se déroulait avec un soir de match par semaine dans lequel les combattants faisaient leur match, soit passaient leur tour, soit redoublaient s'il y avait des matchs nuls. Voilà. Donc quelque chose qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, ce système de tournoi. Par contre, le système de match à la soumission existe encore et est revenu à la mode justement ces dernières années dans une optique un peu de revenir aux racines du Jiu-Jitsu. Voilà. Alors, je saute sur les autres règles de la compétition de Maeda parce qu'elles sont moins différenciantes. Et si je continue dans l'histoire du Jiu-Jitsu brésilien, la première fois finalement qu'on a réussi à construire une compétition avec un tournoi qui logistiquement peut se dérouler en un jour ou deux, ça a été en 1973, donc beaucoup plus tard, toujours au Brésil bien entendu. Et cette fois, c'était le premier tournoi officiel de Jiu-Jitsu du Brésil. Et ce tournoi avait les règles suivantes, des matchs de 5 minutes, donc une durée de match beaucoup plus proche de ce qu'on a aujourd'hui, et un certain nombre d'actions ou de positions qui rapportent des points. La position montée avec deux genoux au sol rapporte des points, le dos avec les crochets rapporte des points, et les amener au sol rapportent des points. Alors pourquoi ces choses-là? Parce que dans l'optique du Jiu-Jitsu brésilien, et toujours dans un état d'esprit de faire un système qui est ancré sur la réalité, ils ont voulu construire des points qui sont associés à la domination en self-défense ou en MMA. Et la position montée et le dos sont, dans la conception du combat qu'on a en Jiu-Jitsu brésilien, les deux positions les plus fortes, celles sur lesquelles on a pris l'ascendant le plus déterminant sur l'adversaire, si jamais c'était un combat qui autorisait tout. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du système de points du Jiu-Jitsu brésilien tel qu'il est aujourd'hui, et je vais aussi vous parler de quelques points de détail qu'il faut connaître. Salut la team Bitan Academy, dans cette deuxième vidéo, je vais continuer à vous parler du système de points et je vais vous raconter comment il est aujourd'hui. Et je vais vous expliquer aussi 3 erreurs communes qu'on fait quand on découvre ce système de points et qu'on vient potentiellement d'autres sports. Alors, le système qui existe aujourd'hui est l'héritier du système de 1973 que je vous ai présenté. Et maintenant, il y a 3 actions et 3 positions qui vous permettent de marquer des points. Et il faut garder à l'esprit que tout ça est tiré de l'esprit de self-défense, tiré de l'esprit du MMA, c'est-à-dire que c'est des actions et des positions qui vous feraient progresser dans le cas où ce serait un combat dans lequel tous les coups seraient permis. Alors commençons par les positions. Les 3 positions qui valent des points, c'est la position montée, le dos et genou-poitrine. Position montée et dos vous apportent 4 points. C'est le maximum que vous pouvez marquer avec une seule action au cours d'un match. Position genou-poitrine,
dont je ne vous ai pas parlé dans la vidéo précédente, est une position de transition entre soit debout et le sol, pour contrôler après l'amener au sol, soit pour passer de 100 kg vers la position montée. Et cette position de transition, qui peut aussi être utilisée pour finaliser, est une position qui est valorisée maintenant. Maintenant, les trois actions qui vous permettent de marquer des points, je vais commencer par les deux du bas, c'est les projections et les renversements. Les deux vous rapportent deux points. Alors, une projection, c'est quand on est les deux debout et que je projette mon adversaire au sol et je suis capable de le contrôler quelques secondes au sol. Et un renversement, c'est quand j'ai un adversaire dans ma garde, donc entre mes jambes, et que je suis capable de renverser cet adversaire pour venir moi au-dessus de lui. Que peu importe que j'arrive directement passé ou que j'arrive entre ses jambes, je marque mes deux points de renversement. Enfin, il y a une dernière action qui vous permet de marquer des points, qui est le passage de garde. Donc c'est chaque fois que je suis dans la garde de mon adversaire et que je vais être capable de passer les jambes pour prendre une position de contrôle, quelle qu'elle soit. Voilà, et ça c'est l'action qui vous donne le plus de points parmi les actions, c'est 3 points. Vous voyez que pour renversement et passage de garde, c'est la garde qui est au centre du concept. C'est donc une position qu'on a volontairement mis en valeur dans le système de points parce que c'est une position qui a beaucoup de sens en self-défense et en MMA. Et vous voyez aussi que les actions qui vous rapportent des points sont toutes des actions offensives. Il n'y a pas d'action défensive qui vous apporte des points. Alors maintenant, je vais venir sur les trois erreurs qu'on fait le plus souvent quand on découvre le système de points du Jiu-Jitsu brésilien. Trois questions qu'on nous pose le plus quand on explique et qu'on arbitre les matchs à l'académie. Donc, les trois erreurs. La première, c'est les sorties ne marquent pas de points. Souvent, les gens pensent qu'on est en dessous de la position montée, on fait la sortie trap and roll ou pas, on arrive dans la garde de l'adversaire, on était en dessous, maintenant on est au-dessus, on devrait avoir deux points de renversement. Ceci n'est pas un renversement. On se sort d'un mauvais pas, c'est une action purement défensive, ça ne marque pas de points. Un renversement, c'est quand l'adversaire est dans notre garde, donc dans une position de combat équilibrée, où il y a à peu près 50-50 de domination entre les deux adversaires. Pas de points pour les sorties. Deuxième chose, et qui en choque parfois certains, c'est que 100 kg ne rapporte aucun point. Les variantes de Kesagatame contre l'en écharpe ne valent aucun point. La position nord-sud ne vaut aucun point. Alors ça peut vous choquer, mais pourtant c'est le cas. Ce qui rapporte des points, c'est la manière d'y arriver. Donc imaginez un scénario où je serai face à un adversaire en tortue. Je bascule cette tortue et je viens prendre une position de contrôle, par exemple un Kesagatame. Je ne marque pas de points. En revanche, je passe la garde de mon adversaire et je mets un Kesagatame ou un 100 kg. Là, je marque 3 points. C'est l'action de passage de garde qui marque les points et elle est stabilisée par la position de contrôle, mais ce n'est pas la position de contrôle elle-même. Okay. Et enfin, la dernière chose que vous devez savoir, c'est le système de pénalité pour non-combativité. Ça, c'est spécifique vraiment à l'esprit d'un sport de combat au sens sport, mais ça dénote la philosophie qui est derrière. Pour qu'un match avance, vous avez un temps limité, il faut qu'on force les combattants à faire avancer le match, et surtout celui qui mène au point. Souvent, celui qui mène au point va avoir tendance à bloquer le match pour que le temps s'écoule et qu'à la fin du temps, il ait gagné. Donc, comment faire pour pousser les combattants à combattre? Il y a des pénalités de non-combativité qui finissent par marquer des points. Ou même disqualifier un combattant. Et quand vous avez un combattant qui est dans une position avantageuse, par exemple la position montée, c'est celui qui est au-dessus qui va devoir travailler et non pas celui qui est au-dessous. Celui qui est au-dessous aura subi les 4 points de position montée une fois pour toutes, peu importe qu'on reste 5 secondes ou 1 minute en position montée, ce sera le même tarif pour lui. Par contre, celui qui est au-dessus doit faire évoluer la position pour rechercher la finalisation, et celui qui est en dessous a la responsabilité finalement de se protéger et de ne pas faire empirer le match. Voilà, vous savez tout, vous pouvez vous lancer. Déjà, vous pouvez regarder les matchs et mieux comprendre ce qui se passe dans les matchs que vous allez voir dans les compétitions. Et puis d'autre part, nous, on vous encourage à participer à quelques compétitions.